Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Chut. Il reste quelques places devant, si besoin. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir à l'ICEP. Je m'appelle Camille, je suis étudiante en magistère 2 actuellement. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Poisson, qui va venir nous parler de son livre, mais aussi voilà, des réformes qui sont abordées dans cet ouvrage. Donc il s'agit de La Voix du Peuple, que vous pouvez trouver en vente à la sortie dans l'ICEP, qui sera suivi aussi d'une séance de dédicace. Voilà, donc nous vous encourageons à profiter de cette occasion. Donc je rappelle que M. Poisson donc, est ancien député, il est président du Parti chrétien démocrate et président de la Voix du Peuple depuis 2020. Et je vais vous laisser la parole. Merci, mademoiselle. Oula. Merci, mademoiselle. Ça va, je ne vous casse pas trop les oreilles au fond. Non, c'est bien, vous m'entendez bien. Monsieur le Président, je ne sais pas où est le directeur Meunier, le voilà en train d'organiser des ordres, comme d'habitude. Cher Patrick Louis, cher Bénédicte, mesdames et messieurs. D'abord, j'en profite, puisque la tradition le souhaite et m'y invite, pour vous souhaiter une très belle, très bonne, et pour ceux qui y croient, très sainte année 2023. Elle promet d'être un peu agitée, mais nous y reviendrons sans doute au moment des questions. Je voudrais placer mon intervention sous le signe d'un des beaux esprits de l'histoire française. Il s'agit d'Alfred Capus. Pour les étudiants qui sont ici, vous gagneriez à vous intéresser un peu à cet éminent personnage, une des belles plumes du début du XXe siècle, qui disait « Il y a beaucoup de personnes qui parlent pendant leur sommeil. C'est le privilège des conférenciers que de parler pendant celui des autres. » J'espère ne pas avoir à vérifier cet adage ce soir, et donc je vous invite à la plus grande attention pendant mon propos. C'est une gageure de venir parler dans une réunion publique ou dans une conférence de réforme institutionnelle, alors même que l'ambiance est à la défiance à l'égard de la chose publique, sinon à une forme de désertion ou de désintérêt assez marquée. Je fais partie de ceux qui comprennent très bien les raisons pour lesquelles la prolifération de tous les maux de la vie publique française aujourd'hui a pu effectivement provoquer quelques réserves ou une forme de désespérance à l'égard de notre pays en particulier, ou en général, pardon, et de la chose publique en particulier. Néanmoins, je continue de penser que il ne peut pas y avoir de redressement de notre pays sans réforme institutionnelle très profonde, dont nous ne prenons pas la direction. Ça ne m'a pas échappé, mais enfin, si vous cherchiez un peu de matière à réfléchir ou à agir dans les temps qui viennent, allez savoir, ça pourrait peut-être utilement inspirer, en plus de vos conversations familiales ou de votre travail universitaire, quelques actions ça et là. Et donc je me propose de vous donner quelques pistes de ces réflexions, en commençant d'abord par ce que je crois être l'aspect le plus important des constats que nous pouvons dresser sur la France d'aujourd'hui, et ensuite vous dire comment je pense indispensable de redonner à la société française de l'oxygène en redonnant une part du pouvoir que le peuple a perdu au peuple, en redonnant à l'État et à la puissance publique son efficacité, et entre les deux, en replaçant le chef de l'État au centre de la vie politique et en le débarrassant d'un certain nombre de scories qui, nous l'avons constaté encore ces jours derniers, l'embarrassent plutôt qu'il n'arrange nos affaires. Quand j'aurai fini de vous dire tout ça, il sera environ 4 heures du matin. Donc vous aurez tout le loisir de poser des questions pendant que la soupe à l'oignon se préparera dans la cuisine d'à côté. On est à Lyon, n'est-ce pas? Donc il faut quand même... Bien. Le constat d'abord. Il y a beaucoup de choses à dire sur le délitement progressif de la société française. Je ne vais pas vous assommer de toutes les choses que vous savez déjà. Ce qui me frappe le plus, c'est l'anoxie dans laquelle se trouve la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire le manque général d'oxygène. Ça n'est pas vrai que pour ceux qui pilotent des organisations. Il y en a évidemment dans cette salle. Je ne vais pas vous faire de longues dissertations sur la surréglementation, la prolifération des lois et des normes,
Le fait qu'on s'adresse de plus en plus à une puissance administrative qui nous demande beaucoup de choses sans être capable de répondre à nos questions, quand on arrive à parler à quelqu'un, enfin tout ça c'est le quotidien que nous connaissons tous, et la difficulté qu'il y a dans notre beau pays à entreprendre, à réaliser, à conduire des projets, à trouver son chemin, bref, des choses qui pourraient être, enfin qui devraient être en tout cas tout à fait naturelles pour une société prétendument moderne comme la nôtre. Petit à petit s'est installé en France un mouvement de centralisation qui a pris deux directions. La première direction qu'elle a prise, c'est la concentration incroyable et inédite dans l'histoire de France d'un nombre illimité de pouvoirs entre les mains d'une seule personne qui est celle du chef de l'État. On a l'habitude de dire que le président américain est le président de l'État le plus puissant du monde et que le président français est le chef d'État le plus puissant du monde. Personne au monde, alors je mets de côté les régimes bananiers, dictatoriaux, etc. Enfin, je ne parle pas de cela. Mais dans les démocraties avancées, aucun chef d'État n'a autant de pouvoir que le chef d'État français. Il peut même décider tout seul, sans l'autorisation du Parlement, de donner du matériel militaire à un pays qui, paraît-il, n'est pas notre allié, puisque paraît-il que nous ne sommes pas en guerre, sans aucune espèce d'autorisation de personne. Il peut décider d'enfermer tout le pays pendant la crise sanitaire sans que le Parlement statue. Il peut décider tout seul tout un tas de choses, sans compte-rendu, sans autorisation préalable, sans qu'aucune espèce de contestation de cette décision ne soit possible, devant quelque instance judiciaire que ce soit. Bref, il dispose désormais, à la fois du fait de la Constitution de la Ve République et d'une pratique qui est devenue déviante de ces institutions, d'un nombre de pouvoirs absolument inédits dans l'histoire de France. La conséquence, c'est que les autres pouvoirs qui pourraient eux aussi apporter leur concours à notre vie quotidienne, eux sont étouffés, sont privés de leurs moyens, et j'ai en tête, évidemment, en vous disant tout cela, le mauvais sort qui est réservé aux collectivités territoriales depuis maintenant de nombreuses années. Et je voudrais en prendre un seul exemple auprès de vous. J'ai eu la responsabilité, quand j'étais maire de Rambouillet, d'essayer d'accompagner les habitants de ma belle commune pendant la canicule de 2006. Vous vous souvenez qu'il y avait une canicule en 2003 qui était extrêmement vive, puis il y en a une autre 3 ans plus tard, un peu moins vive, un peu moins forte, mais tout de même qui était inquiétante pour beaucoup de nos concitoyens. C'était l'été, évidemment. Dans une ville comme Rambouillet, le maire peut se payer le luxe de confier les clés de la maison à quelques-uns de ses adjoints et à ses équipes de direction, et donc je suis parti quelques jours en vacances, non sans avoir préalablement sollicité le tissu associatif local pour dire, bien, à défaut que la mairie soit complètement présente, puisque les agents municipaux étaient aussi en vacances, on va demander au tissu associatif local de bien vouloir prendre part activement à l'aide qu'on peut apporter aux personnes qui en ont besoin, parce que des personnes âgées sont chez elles, ne sont pas d'une mobilité qui leur permette de satisfaire leurs besoins. Et donc, très naturellement, ce tissu associatif qui existe à Rambouillet, mais partout en France, a participé à ce que les personnes qui étaient fragilisées à leur domicile puissent continuer d'être visitées, puissent avoir de l'aide, puissent voir quelqu'un, puissent éventuellement avoir de l'aide pour faire leurs cours, j'en sais rien, enfin tout ce qu'on peut imaginer en l'espèce. Vous vous souvenez que pendant la crise de la Covid, alors on pense qu'on veut de la crise, on pourra débattre de tout ça si vous voulez, mais ça n'est pas l'objet de ce soir, un des arguments qui m'a été opposé sur un plateau par un sémillant député de La République En Marche de l'époque m'avait dit, mais on ne pouvait pas faire autrement que de confiner tout le monde, puisque de faire en sorte que les malades restent à la maison, on n'aurait pas pu s'occuper d'eux. Et je lui ai dit, mais mon cher collègue, l'État n'aurait pas pu s'occuper de tout le monde, c'est sûr. Mais il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que le ministère de la Santé. Il y a des élus locaux, il y a des associations, il y a des choses, il y a des gens que vous auriez dû solliciter. Et en général, quand on sollicite la générosité des Français, elle est au rendez-vous et elle répond. Et je vois très bien comment, dans la ville que je connais le mieux, les 350, 380 associations, des joueurs de boules, des philatélistes, des clubs de sport, des sociétés historiques savantes, j'en sais rien, n'importe qui aurait parfaitement pu imaginer d'apporter son concours. Cette générosité-là, pendant cette crise, n'a pas pu s'exprimer. Parce que, par le fait d'une centralisation excessive, seul l'État s'est rendu maître du jeu. Il a voulu être le seul opérateur, le seul décideur, le seul acteur, en disant à tout le monde, restez chez vous. La meilleure manière, c'est de prendre du Doliprane et de rester chez vous. Ça va passer tout seul. Je vous rappelle que c'était quand même
l'argument de l'époque. On voit les résultats que ça a produit quelques années plus tard. Mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet qui pourrait sans doute nourrir des conversations pendant un certain nombre d'heures, y compris ici. Mais vous voyez l'orientation dans laquelle je suis en train de me situer. De la même façon, regardez ce qui s'est passé sur la réforme des retraites, là, il y a quelques jours. On pense ce qu'on veut de cette réforme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on ne peut pas imaginer d'avoir pu donner moins de place que ce qui a été fait aux relations avec ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire les salariés, puisque par définition, les retraités sont pour la plupart du temps d'anciens salariés, enfin l'immense majorité d'entre eux. Est-ce qu'on a discuté pour de vrai avec les organisations syndicales, de salariés comme de chefs d'entreprise? Est-ce qu'on a sollicité les mouvements familiaux? Est-ce que vous avez entendu parler de la position de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, sur le sujet des retraites? Elles sont quand même directement concernées. Est-ce qu'on a sollicité ce qu'on appelle les partenaires sociaux sur des sujets aussi importants? Est-ce qu'on a sollicité ces représentants du quotidien que sont, encore une fois, nos syndicats, nos mouvements d'entreprise, nos associations? Personne ne l'a fait. Je ne sais même pas si le Conseil économique, social et environnemental a fait connaître sa position sur la réforme des retraites. Je ne l'ai pas vu passer. Peut-être que oui, mais admettons que si elle a été donnée, ça n'a pas fait beaucoup plus de bruit que ça. Or, ce Conseil économique, social et environnemental, il est la troisième chambre de nos institutions. Il est inscrit dans la Constitution Escalité et il est censé être le représentant de tous les corps intermédiaires qui structurent la société française. Tout cela est étouffé. Tout cela manque d'oxygène. Et à partir du moment où on engage ce premier mouvement de centralisation qui est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains de l'exécutif, on étouffe tout le monde. Et le deuxième mouvement de concentration qui s'est produit, qui est plus géographique celui-là qu'autre chose, c'est le mouvement de métropolisation, c'est-à-dire ce renforcement insensé des groupements urbains qui sont sur notre territoire. Il y a 36 000 communes en France. Pas parce que, par caprice, il y a quelqu'un qui un jour a décidé qu'il y aurait 36 000 communes, mais parce que notre pays est le plus grand pays d'Europe sur le plan géographique et de loin. 550 000 km², le deuxième c'est l'Espagne, il en fait 50 000 de moins, donc c'est quand même pas une petite affaire. Deuxièmement, la tradition de notre société, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, ça a été de se constituer par proximité et puis que la vie s'organise là où les gens étaient, et à partir du moment où c'était vivable, il y avait de quoi se nourrir, un cours d'eau, des champs pour faire de l'agriculture, élever des bêtes, etc. Et ça s'est réparti de manière harmonieuse sur le territoire parce que nous avons la chance d'avoir le plus beau pays du monde et il fait beau y vivre à peu près partout. Donc nous nous sommes installés partout. À partir du moment où on a entamé ce mouvement de métropolisation, qui va de pair avec la perte d'influence de l'agriculture et de la pêche d'ailleurs, mais ça concerne évidemment un peu moins les champs, dans notre société, eh bien on a commencé à constituer des grands ensembles urbains, on les a renforcés et on a tout misé sur le développement de ces grands ensembles. Et je ne comprends pas comment personne n'imagine de rééquilibrer dans une politique d'aménagement du territoire une occupation harmonieuse du territoire national sans laquelle nous ne sortirons pas d'un certain nombre de problèmes sociologiques, économiques, pour ne pas dire psychologiques, qui sont concentrés aujourd'hui dans les très grands ensembles urbains où il est devenu très difficile de vivre. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une ville qui... Comme je le dis de temps en temps, c'est la province en Île-de-France. Hein. Rambouillet, c'est à la campagne. Rambouillet est une des sous-préfectures napoléoniennes parfaitement calquée sur le modèle de l'organisation post-révolutionnaire, c'est-à-dire c'est une ville de 20 000 habitants au milieu d'un tissu rural. Et dans cette ville de 20 000 habitants, vous trouvez tous les services, les pompiers, les impôts, l'hôpital, la police, le tribunal, etc., etc. La France est organisée comme ça depuis maintenant plus de presque 250 ans. Rambouillet ne fait pas exception à la règle, mais même dans cette ville, à 50 km de Paris, nous ressentons les effets de la désertification rurale tout autour de chez nous. Rambouillet est devenu un désert médical. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on peut le dire sans aucune espèce d'hésitation. Et nous subissons l'attraction extrêmement forte des 8 ou 9 millions de franciliens qui habitent dans la petite couronne de Paris. Mais j'imagine que si on parle aux Lyonnais de ce qui se passe à Lyon et puis... à 20 ou 25 km de Lyon, on entendrait certainement à peu près la même chose. Donc cette double concentration institutionnelle et géographique produit dans notre société des équilibres absolument importants qui rendent la vie quotidienne, au fond, difficile. Et j'ajoute, dernier point qui n'est pas un point de centralisation, que
On a quand même furieusement l'impression de se faire voler à chaque fois le mistigris. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question importante qui pourrait nous être posée, elle ne l'est pas. Elle ne l'est même pas à l'Assemblée nationale. J'évoquais la guerre en Ukraine tout à l'heure, j'évoquais la crise sanitaire. On pourrait faire une liste des différents sujets sur lesquels nous aimerions être consultés. Et je suis persuadé que si on faisait un sondage rapide dans la salle où nous sommes ce soir, nous tomberions assez rapidement d'accord sur le point de dire oui, il faut une politique migratoire qui ressemble à quelque chose, indépendamment de savoir laquelle. Bien sûr qu'il faut réformer le système éducatif français, indépendamment de savoir comment. Évidemment que le système de santé doit être mis d'équerre, et là encore, on pourrait discuter des moyens, etc., etc. Nous sommes dans une situation dans laquelle ça a beaucoup changé, ça, en quelques dizaines d'années, mais je pense que Patrick Louis pourrait faire le même constat. Quand on était élu il y a un quart de siècle, on était légitimé à la fois dans la capacité d'exercer la responsabilité politique et dans le projet qu'on avait présenté aux électeurs pour être élu. Le projet était tout autant légitimé que la personne par l'élection. On se rend bien compte aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent, qu'en réalité, les élections ne servent plus qu'à légitimer celui qui va exercer le pouvoir. Mais son projet politique, lui, n'est pas légitimé. J'en veux pour preuve le fait que, même sur des choses sur lesquelles formellement les candidats sont engagés, il y a sans cesse des contestations, des questions, c'est-à-dire que la logique démocratique sur le contenu des projets ne tient plus. Elle n'existe plus. Ça a une conséquence très lourde, c'est que, il y a 25 ans, alors ça vaut pour les élections nationales comme pour les maires, les présidents de département ou de région. C'est la même chose. Personne n'est épargné par cette évolution. Mais la conséquence, c'est que quand vous présentiez un programme électoral il y a un quart de siècle, vous le présentiez d'une certaine manière une fois pour toutes. Alors il y avait quand même des gens qui n'étaient pas d'accord, qui continuaient à vous mettre des bâtons dans les roues. Tout ça, c'est la vie publique, c'est tout à fait normal. Mais il n'y avait pas de contestation, du projet en tant que tel. Aujourd'hui, vous êtes obligé de revenir sans cesse devant les Français pour dire « si, si, je vous assure, c'est ce que je vous ai dit. Si, si, j'avais dit que je le ferais. Si, si, je m'étais engagé à regarder dans mon programme, c'est marqué. » Vous êtes obligé sans cesse de relégitimer tout ça. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient permettre de l'expliquer. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je traite plutôt ici des conséquences. La conséquence, qu'est-ce que c'est ? C'est que dans le monde extrêmement complexe où nous sommes, où il est très difficile dans la durée de maintenir la conduite de projets complexes. Je reprends comme exemple la réforme des retraites de ces jours-ci. Le démarrage macronien de la réforme des retraites, c'est 2018. Nous sommes quasiment 5 ans plus tard. Vous voyez que, alors il y a des circonstances qui peuvent l'expliquer, il y a des projets qui sont retardés, tout ça c'est d'accord. Mettons-nous maintenant dans l'hypothèse inverse. Imaginons que nous puissions trouver le moyen de faire en sorte que le projet politique en tant que tel soit relégitimé, de sorte que il ne soit plus contestable de le mener à son terme. Quelle est la bonne manière de le faire ? C'est de recourir au référendum. Et j'en viens à mon premier point, qui est ma volonté de faire en sorte que les institutions redonnent au peuple français les pouvoirs qu'il a perdus. Je suis un ardent défenseur du référendum. Des référendums. Pendant la primaire, il y a 6 ans, j'avais défendu l'idée qu'il faudrait, dans le même esprit, de rétablir la confiance des Français dans la chose publique, organiser un référendum par an. Il y a bien assez de matière pour le faire. J'ai pointé 3 sujets tout à l'heure, l'éducation, la santé, l'immigration. Si vous voulez, on pourrait ajouter l'aménagement du territoire, ça en ferait un beau. Je vous rappelle qu'on a eu, en 2005, un référendum dont le résultat était, pour moi en tout cas, très heureux. Les suites furent un peu moins heureuses, mais en tout cas, le résultat de 2005 en tant que tel m'a tout à fait convenu. C'était sur le traité constitutionnel européen, vous vous en souvenez. C'était compliqué, le sujet. Je me souviens avoir lu 2 fois le texte du traité constitutionnel qui était en caractère 8, interligne simple, sans image, sans photographie, donc c'était extrêmement fastidieux comme machin. J'en ai pas un souvenir impérissable, pour tout vous dire, mais enfin, ça faisait partie de mes attributions, donc j'ai fait l'exercice de le lire. Peut-être que tout le monde ne l'a pas lu, ce texte-là, mais en tout cas, le souvenir que j'ai de cette campagne, c'est que tout le monde s'est intéressé au sujet. Tout le monde. Dans les bistrots, où on ne parle pas forcément de traité constitutionnel européen tous les jours, on parlait de ça.
Vous vous souvenez qu'il y a un gars qui, dans son coin, avait fait une belle note qui avait circulé sur tout l'Internet en décortiquant le traité, alors on ne parlait que de ça. Et les Français ont voté massivement, la plupart du temps en ayant parfaitement conscience de ce qui était en jeu, parce que par ailleurs, le débat public a été lui aussi assez nourri et assez riche. Et je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas le même type de débat sur des sujets qui sont tout aussi importants pour nous. Et je suis de la même manière absolument persuadé que le premier qui viendrait devant le Parlement en disant « ça y est, j'ai trouvé la martingale pour réformer l'éducation nationale », il va en prendre pour 5 ans, au moins, comme les retraites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'assise populaire de légitimité. Parce qu'il a le droit d'être ministre de l'éducation nationale, personne ne lui conteste, mais il n'a pas le droit de faire les choses qui n'ont pas été légitimées préalablement. Et l'élection ou la nomination ne suffit plus. Et donc pour cette raison, il faut recourir au référendum. Et il faut que le pouvoir exécutif s'engage formellement à solliciter de manière régulière l'avis des Français par référendum sur des sujets complexes. Mais il y a une contrepartie, et je suis toujours dans la thématique du rétablissement de la confiance, c'est que nous devons avoir la garantie que si nous sommes sollicités par référendum, rien ni personne n'ira contre le résultat du référendum. Parce que sinon, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Deuxième élément, prenons la question européenne. Et là encore, je suis à peu près persuadé que si on faisait un sondage rapide dans cette salle, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut vraiment revoir un peu les choses, parce que franchement, on ne peut pas dire que ça aille du feu de Dieu. Bien. Comment faire, quoi faire, dans quel ordre ? Autre sujet, mais admettons qu'il y ait un référendum sur l'Europe. Vous imaginez bien que, alors qu'on fait de la gesticulation et de l'alliance carnet de chèques plus baratin, ce qui est la spécialité du président de la République, y compris sur ce sujet à longueur de journée, si vous allez voir les dirigeants européens, si vous êtes le président français, d'abord, en principe, quand vous êtes le président français et que vous allez voir des dirigeants européens, il devrait commencer par vous écouter, parce que la France, c'est quand même pas n'importe quel pays d'Europe. J'ai beaucoup de respect pour la Slovénie, les pays baltes, etc. J'ai beaucoup d'affection, mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas tout à fait la même dimension. Si le chef d'État français va voir ses interlocuteurs européens en leur disant « Voilà, moi, j'ai demandé aux Français s'ils voulaient une réforme d'institutions européennes, dans quel sens ils la veulent », eh bien, ils ont dit ça. Vous imaginez que c'est quand même plus facile pour le chef d'État d'aller discuter avec ses interlocuteurs parce qu'il a récupéré l'assise populaire. Il a l'assentiment de la population française. Et je me permets de vous rappeler au passage que la Déclaration des droits de l'homme rappelle très bien que la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ça ne dit pas la souveraineté réside quand ça vous arrange dans la nation, ou parfois dans la nation, ou peut-être un peu dans la nation, ou par petit... Non, essentiellement. Et c'est sur ce schéma que sont construites toutes les démocraties occidentales et bien entendu tous les pays européens. Donc vous voyez que une des raisons qui me font militer activement pour l'utilisation régulière du référendum, c'est avant tout la relégitimation du pouvoir politique à conduire des projets complexes. Vous imaginez bien que le jour où il faut expliquer que on va effectivement accompagner ce mouvement d'harmonisation, de l'occupation du territoire national et permettre aux personnes de s'installer plus facilement dans les campagnes. D'ailleurs, par parenthèse, ils le font très bien tout seuls aujourd'hui. Pas encore suffisamment, mais enfin, le nombre de gens qui quittent les grandes villes pour aller s'installer à Tataouine ou à Ouarzazate, je ne sais pas où, en plein milieu de je ne sais pas quoi, c'est impressionnant. Malheureusement, ça se fait de manière un peu désordonnée, mais enfin, c'est la France, donc il ne faut pas vouloir non plus mettre de l'ordre partout, dans toutes les choses, parce qu'à un moment, ça ne marche plus. Mais on pourrait comprendre qu'une politique d'aménagement du territoire accompagne ce genre de mouvement et se dise, bah tiens, compte tenu de ce mouvement, on va implanter des investissements ici, des équipements là, des infrastructures de transport, etc. Puis petit à petit, remailler ce territoire dont beaucoup d'endroits ont été à peu près abandonnés ou laissés à leur compte depuis quelques années. Vous imaginez bien que ça ne peut pas se faire non plus d'un trait de plume. Et pour avoir participé au débat de la funeste loi NOTRe qui, paraît-il, a réorganisé les territoires de la République il y a 6 ans, je crois plutôt à une désorganisation supplémentaire qu'à une organisation, en ce qui me concerne, je vois bien comment ça part, ce genre de débat. C'est-à-dire que les orateurs se succèdent au micro pour défendre la peau de leur territoire à eux, si bien qu'en France, nous avons commis cet exploit d'avoir inventé les métropoles. Alors les métropoles, ce sont des super-mairies, en quelque sorte, ou des petits départements. C'est un peu... Alors Lyon en est un exemple absolument patent, puisque... Maintenant, il y a le conseil départemental du Rhône qui s'occupe grosso modo de la campagne, de l'ouest, et du nord et du sud, et puis Lyon qui prend le reste. Il y a 1 million à Lyon, 400 000 dans la campagne. Et puis, bon.
Mais à Marseille, le régime de la métropole de Marseille n'est pas le même que celui de Lyon, qui n'est pas le même que celui de la métropole de Lille, qui n'est pas le même que celui de la métropole de Tours. C'est-à-dire ils sont succédés les uns après les autres au micro en disant « Moi, je suis à Tours, je voudrais ça comme compétence, mais pas ça. Ah bah oui, mais moi, à Marseille, je voudrais pas ça, mais ça. » Donc on invente, en fait, on a organisé avec cette loi le déséquilibre accru de notre territoire et fait en sorte que les gens vivent pas bien parce que la conséquence, c'est encore une fois notre vie quotidienne à tous. Donc si on veut inverser ce mouvement, on comprend bien qu'il ne suffit pas de rayer la loi d'un trait de plume. D'abord, c'est impossible et invivable pour les collectivités, mais ça passe nécessairement par le fait de consulter les Français en disant voilà, est-ce qu'on est bien d'accord que ce mouvement d'ensemble de réaménagement, de réoccupation du territoire rural, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Alors, il y a 150 façons de poser la question, je ne prétends pas régler ça d'un coup, mais vous comprenez bien que, fort de cette décision populaire, c'est plus facile pour le ministre en charge de se présenter devant le Parlement en disant, alors voilà, un, j'ai bien entendu les Français, deux, c'est ça qu'ils veulent, maintenant, on va faire ça. Et pour le coup, si vous prenez l'habitude de faire ça sur tous les grands sujets, eh bien, je pense qu'il y a une possibilité que, mais plus que ça, une probabilité que les Français se réinvestissent sur les sujets politiques, qu'ils redeviennent intéressés à ce qui nous concerne tous, ils le sont. Mais enfin, je ne veux pas préjuger, mesdames et messieurs, de votre état psychologique au moment où je vous parle, parce qu'il vous appartient, bien sûr. Mais quand vous regardez depuis votre salle de bain pour la toilette du matin avec la radio en fond, ou en rentrant le soir à la maison, la tranche de 20h15-20h30 sur la chaîne de télévision, votre chaîne de télévision préférée, vous entendez parler du système de santé, vous vous dites « Ok, ça marche pas, d'accord, j'espère pas tomber malade parce que c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Et vous vous dites « Mais on voit pas le début du commencement d'un embryon d'ombre de solution, donc on laisse tomber. » Et je viens vous voir en vous disant « Il y a une manière de faire. » L'utilisation régulière du référendum permet de régler ce genre de choses, permet de fournir aux gens de quoi s'investir dans ces sujets-là et d'émerger ou de faire émerger une solution ou un ensemble de solutions, ou en tout cas une méthode qui permette d'aboutir à une solution. Dernier point sur ce premier développement. Je n'ai pas l'heure sous les yeux, c'est très grave parce que si vous me laissez un micro, je vous assure que je vais en abuser. Merci. La question du référendum d'initiative citoyenne, ou d'initiative partagée, est-ce que les citoyens doivent pouvoir solliciter un référendum et obliger les pouvoirs publics à l'organiser? La réponse est oui, le principe est déjà inscrit dans la Constitution. Mais il y a une astuce. Et ça, c'est la faute de François Hollande et de Manuel Valls, et c'est pas bien du tout. Quand on a réformé le référendum d'initiative partagée, qui était déjà dans la Constitution depuis 2008... En fait, les modalités sont telles que le Parlement est obligé de débattre sur le référendum qui est souhaité par les citoyens, mais n'est pas obligé de conclure. Donc du moment que le Parlement en a débattu, ça y est, le travail est fait. Personne n'est obligé d'organiser le truc. Vous connaissez la mécanique. Un pourcentage du corps électoral, 10% dans les textes actuels, plus 20% des parlementaires, égale organisation du référendum. 10% du corps électoral en France, ça veut dire 4,8 millions de personnes. Je ne sais pas qui sait réunir 4,8 millions de signatures. Alors, c'est un acte officiel. Je ne sais pas si vous avez pris position sur le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Roissy. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont mis leur signature pour m'opposer à ce machin. C'est très compliqué. Il faut aller sur un site internet, renseigner son identité, sa date de naissance, son adresse. Enfin, ce qui est normal, c'est un acte officiel. Mais 4,8 millions de personnes, infaisable. Les plus grosses pétitions en Europe n'ont pas réuni plus de 2 500 000 signatures sur toute l'Europe. Donc c'est pour vous dire qu'on est sur un seuil quasiment inatteignable. 20% du Parlement, ça c'est possible. Ça fait 180-190 députés et sénateurs. Ça c'est atteignable et ça n'est pas complètement... c'est pas très difficile à organiser. Mais ensuite, il faut s'entendre sur le point de savoir, une fois qu'on a réuni ces signatures et les signatures des parlementaires, ben on y va. Il faut s'entendre. Soit effectivement, il y a encore besoin d'un fil, d'une autorisation, etc. Et ça n'est plus un référendum d'initiative partagée. Soit c'est quelque chose qui émane de la souveraineté nationale, auquel cas, quand les conditions sont remplies, on l'organise. Je suis partisan d'assouplir ces modalités parce que je suis bien persuadé que une des manières aussi de rassurer les Français sur l'intérêt pour eux de la chose publique, c'est de leur dire, si vous prenez un sujet vraiment en main, que vous mobilisez pour,
Alors, ce n'est pas 10% qu'il faut, c'est 5%. Et déjà, je vous rassure, 2,5 millions de signatures, peut-être même moins. L'important, c'est que ça marche et qu'on prenne l'habitude de débattre publiquement des sujets qui nous intéressent. Je passe assez rapidement parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de terminer avant que vous vous endormiez, comme je disais tout à l'heure. Donc, je continue. Deuxième élément, comment traiter le chef de l'État ? Un constat d'abord. Depuis le quinquennat, le Premier ministre ne sert plus à rien. Il n'y a plus besoin de Premier ministre, puisqu'en fait, dans la mesure où l'Assemblée nationale est élue dans la foulée de l'élection du président, la majorité procède, c'est le terme approprié, ça dit tout d'ailleurs, la majorité procède de l'élection du président de la République, donc le chef de la majorité, ça n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Mais ça a beaucoup d'inconvénients. Parce que le chef de la majorité, c'est celui qui pilote le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, c'est celui qui va au charbon tous les mardis matins en réunion de groupe, c'est celui qui vend les réformes du gouvernement, c'est celui qui explique pourquoi on fait comme ça, c'est celui qui va convaincre les réfractaires du fait qu'il faut qu'ils arrêtent d'être réfractaires, c'est celui qui arbitre sur les amendements qui sont, comment dire, un peu offensifs sur le texte. Bref, il fait le travail politique de concertation, de consolidation de la majorité, et par définition, ça c'est l'expression que nous devons tous à Jean-Louis Borloo, qui dit ça à propos de l'UDF, bien connu dans ses murs, gouverner l'UDF, ça veut dire essayer de piloter une brouette de grenouilles en faisant en sorte qu'aucune ne sorte de la brouette. Alors, j'imagine que vous imaginez l'exercice. C'est impossible. Une majorité parlementaire, c'est la même chose. Il y a toujours des gens qui ont d'autres idées, qui veulent faire valoir leur truc. Bon. Le Premier ministre est là pour les, Mais le président de la République n'a pas le temps de faire ça. Ou alors, s'il fait ça, il ne fait pas le reste. Et c'est la question de Charles de Gaulle. Si le président de la République doit s'occuper de ça, qui s'occupe de l'essentiel ? Donc en fait, en faisant du président de la République, pardon, le chef de la majorité, la réforme du quinquennat a mis les mains du président dans le cambouis et ses pieds dans la glaise. Et on a besoin du contraire. Il y a quelqu'un dans la Constitution qui doit s'occuper de ça, c'est le chef du gouvernement. Personne d'autre. Alors il y a deux solutions. Et je me souviens qu'on avait eu avec Nathalie Kosciusko-Morizet ce débat pendant la primaire. Elle était, elle, favorable à la suppression pure et simple du Premier ministre pour faire en sorte qu'on arrête avec cette hypocrisie, en supprimant purement et simplement le poste de chef de gouvernement qui n'a plus aucune utilité. C'était cohérent. Moi, je crois que ça ne correspond pas à l'identité de la France. Moi, j'étais pour le rétablissement de l'autorité du Premier ministre, donc le rétablissement du septennat, qui a le double effet de déconnecter la longueur du mandat présidentiel de celui de l'Assemblée nationale, donc de redonner de la distance au chef de l'État par rapport à l'Assemblée nationale, donc du temps, donc de la hauteur, donc du pouvoir, donc de la protection. Et effectivement, quand vous regardez la manière dont fonctionnent nos institutions, vous avez entendu parler du 49.3, vous n'avez pas pu passer à travers, c'est pas possible ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe sur l'article 49.3 ? C'est le gouvernement qui est destitué, c'est pas le chef de l'État. Dans la Constitution française, le Premier ministre est le fusible du chef de l'État. Le chef de l'État est protégé, et il est bon qu'il le soit. Et donc, toute l'idée du septennat unique, c'est de dire... Quand on est élu président de la République, on est élu pour 7 ans. Une fois que son mandat est terminé, qu'il aille au bout ou pas, qu'on démissionne ou non, qu'on meure, peu importe, un mandat et un seul, on n'a plus le droit de se représenter pour cette charge. Et ça a effectivement deux conséquences. La première, c'est qu'on gouverne pour de vrai jusqu'au dernier jour de son mandat, puisqu'on n'est pas obsédé par sa propre élection. Et la deuxième, c'est qu'au milieu du gué, au bout de 5 ans, nous nous disons tous... Plutôt que de courber les chines comme on est en train de le faire en se disant « Oh là 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 là, encore 4 ans et demi », avec aucune perspective de sortir de ce marasme, on se dit « Bon, au moins, ceux qui ont connu les deux cohabitations de 86 et de 93 s'en souviennent, au moins il y a un rendez-vous. Et au moment de ce rendez-vous, on va pouvoir dire au chef de l'État si on est d'accord ou pas. Si on est d'accord, la majorité parlementaire est reconduite. Si on n'est pas d'accord, cohabitation. » On a déjà connu ça dans l'histoire de France et ça s'est, allez, on va dire, pas si mal passé que ça. Disons que ça aurait pu être pire. Mais vous voyez que cette idée de redonner au chef de l'État de la hauteur, de débarrasser comment dire, des enjeux de la vie politique quotidienne, de la tambouille, comme je dis de temps en temps, c'est de la première importance parce que sinon, il prend tous les coups. Pourquoi pensez-vous que, c'est mon constat en tout cas, je ne sais pas si vous le partagerez, Emmanuel Macron est certainement le président de la République le plus haï de l'histoire de France ? J'ai vu des manifestations, j'y ai même participé, contre François Mitterrand, pour d'excellents motifs, je vous rassure, contre François Hollande, j'ai vu
depuis ma fenêtre et mon écran de télévision des manifestations contre Nicolas Sarkozy. Alors il y avait des insultes, des injures, etc. Mais des mannequins avec des cordes de pendu ou bien un tel à mort, ça franchement c'est assez nouveau dans l'histoire politique récente. Donc ce qui concentre cette haine, c'est quoi? Mais c'est le fait qu'on le voit tout le temps, qu'on l'entend tout le temps, qu'il s'occupe de tout et qu'à force de parler tout le temps, de s'occuper de tout et de nous, on le croit plus, il énerve tout le monde et il n'est pas, sa fonction n'est plus protégée de ce fait. Il est en première ligne tout le temps. Donc il prend des balles. Ça fait partie du jeu. Les présidents de la République ceux qui ont pensé à la rédaction et qui ont aménagé la constitution de la Ve République avaient bien compris que quand on donne des pouvoirs importants, très importants, à un chef d'État, la contrepartie, c'est qu'il faut le protéger contre les attaques et contre les agressions. C'est ce que ne permet plus, en tout cas, le système du quinquennat. Donc il faut le supprimer pour cette raison. J'ajoute un dernier point sur la question du statut du chef de l'État. Le chef de l'État ne s'engage à rien devant les Français quand il prend ses fonctions. La majorité des chefs d'État des pays étrangers prêtent un serment, le font de manière publique, et tous les systèmes politiques connaissent des mécaniques de destitution au cas où le serment serait rompu ou non respecté. Je plaide pour que, formellement, le chef de l'État prête serment publiquement et qu'il s'engage, que ce serment soit inscrit dans la Constitution, qu'il s'engage à en respecter les termes et que, dans l'hypothèse où il le trahirait, alors on engage une procédure de destitution qui serait plus facile qu'elle ne l'est maintenant. Aujourd'hui, la destitution du chef de l'État existe dans la Constitution. Elle est absolument impossible à mettre en œuvre. Et là encore, les constituants ont été malins. Ils ont voulu renforcer ce pouvoir. Ils ont tout fait pour qu'il soit protégé. Il l'est. Quand ça fonctionne, on ne s'en plaint pas. C'est quand on ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, qu'on s'en plaint. Et aujourd'hui, en tout cas, de mon point de vue, il y a largement matière à s'en plaindre. Donc vous voyez que si effectivement nous arrivons, en ce qui concerne le pouvoir exécutif, à redonner au chef de l'État de la hauteur de vue, à le débarrasser de ce qui n'est pas son métier, sa fonction, et ce pourquoi il n'est pas élu, c'est-à-dire l'animation de la vie politique au quotidien, si on arrive effectivement à recentrer les responsabilités, rééquilibrer les pouvoirs au sein même du gouvernement, entre l'Élysée et le gouvernement, alors je pense que pour tout le monde, les choses sont plus équilibrées, elles sont plus lisibles, et nous sommes dans une relation de confiance accrue si jamais, effectivement, nous voyons, pas que le président de la République, d'ailleurs, je plaide aussi dans ce livre pour que les ministres également prêtent serment sur la Constitution et que si jamais ils y faillissaient, eh bien, ils soient immédiatement démis de leurs fonctions parce que c'est la moindre des choses. Je crois que nous sommes le seul pays au monde, encore une fois, à part les dictatures bananières, où le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut continuer d'exercer ses fonctions en étant mis en examen. C'est quand même fort de café. Mais ça provoque pas de... Tout le monde s'en fout, tu dis, toi, mais s'en moque, j'allais dire, moi, parce qu'il y a une caméra, mais c'est bien ce que je pense, en fait. Voilà, vous comprenez bien que c'est une situation complètement baroque et qui ne devrait pas pouvoir durer très longtemps. Dernier point sur les collectivités territoriales, je l'ai déjà dit un petit peu, mais en général sur les corps intermédiaires. Y a un malentendu sur les corps intermédiaires. En tout cas, on considère que les corps intermédiaires sont seulement les syndicats de salariés, les syndicats d'entreprise, et que quand on a dit corps intermédiaires, c'est plus profond que ça, et je me permets de vous renvoyer, pour ceux que la lecture intéresse, à la pensée sociale chrétienne, qui est la première, peut-être même aujourd'hui encore la seule, à avoir théorisé réfléchi en profondeur sur ces corps intermédiaires, c'est-à-dire ce constat selon lequel il y a des communautés naturelles où les hommes vivent. Ces communautés naturelles ont deux caractéristiques. Premièrement, elles fournissent à chaque personne, parce qu'elles ont un caractère communautaire, donc collectif, la possibilité de participer de manière active à la construction du bien commun, qui par définition est une œuvre collective. C'est pour ça que nous ne sommes pas libéraux, enfin que je ne suis pas libéral, pardon, au sens philosophique du terme. Je ne crois pas qu'en poursuivant son intérêt à toute force, on construise l'intérêt général par miracle. Je ne crois pas ça. Je crois au contraire que le bien commun se construit collectivement et que c'est la relation de justice qui en est le premier fondement et pas la recherche de l'intérêt personnel. Je ferme la parenthèse à ce stade. Un corps intermédiaire est donc un lieu de vie collective dans lequel on participe
personnellement à la construction, une part de la construction collective du bien commun. Et c'est également un lieu dont l'existence protège les personnes et les individus de la toute-puissance de l'État. C'est à la fois donc une opportunité de coopérer au bien commun et un bouclier de protection contre l'État, parce que l'État, comme tous les États du monde, à chaque fois qu'on ne l'arrête pas, il continue. Si vous pouvez permettre de me passer cette lapalissade, si rien ne l'arrête, il avance. Et donc il faut des contre-pouvoirs. Alors quels sont les corps intermédiaires? On l'a dit, les associations, les syndicats en font partie, mais toutes les associations sont ces lieux dans lesquels on construit collectivement sa part de bien commun, d'une manière telle que on s'y reconnaisse parce que c'est collectif, mais ce n'est pas suffisamment grand ou important ou écrasant pour qu'on y soit dilué ou qu'on s'y perde. La famille est un corps intermédiaire, au sens de ce lieu de vie collectif dans lequel on apprend, etc. Les entreprises sont des lieux, sont des corps intermédiaires, et les territoires sont des corps intermédiaires. Donc vous avez un tissu, alors ça c'est les théoriciens d'extrême gauche, on aura de ça, parce qu'ils disent, en ce moment c'est intéressant ce qui se passe, petite parenthèse, j'oublie pas mon fil, si j'oublie vous me le rappellerez, s'il vous plaît, mademoiselle. Ce qui caractérise la pensée d'extrême droite, disent-ils, c'est qu'ils ont une vision organique de la société. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. S'ils veulent dire, en tout cas, que nous avons le sentiment que nous, en tout cas moi, je n'ai pas une vision atomisée de la société. C'est-à-dire, je ne considère pas que nous soyons tous des individus juxtaposés les uns avec les autres, entre lesquels l'État a le devoir de construire des relations. C'est les deux expressions qui sont dans le langage courant désormais. Faire du lien et favoriser le vivre ensemble. Quand vous entendez ça, en général, vous êtes dans une logique étatiste avec une conception atomisée de la société, de juxtaposition d'individus qui n'ont pas de relation entre eux, en dehors de celle qu'ils se choisissent. Je défends la conception inverse. Nous sommes, par nature, par obligation et par utilité, en relation avec nos contemporains. Et donc la question est de savoir comment on aménage les lieux de vie pour faire en sorte que ce système de relations puisse se faire au bénéfice de tous. Ces lieux de vie sont les corps intermédiaires. Ils sont représentés, je vous l'ai dit, dans la Constitution française. C'est le Conseil économique, social et environnemental qui est le lieu propre où se retrouvent toutes les associations, les mouvements patronaux, les associations culturelles, les ONG, les mouvements familiaux, tout le monde est dans cette assemblée-là. Ils travaillent. On croit qu'ils ne travaillent pas, mais pour moi qui suis allé plancher deux ou trois fois chez eux, je peux vous garantir qu'ils font un travail qui est intéressant. D'ailleurs, les rapports du CESE sont intéressants à lire dans l'immense majorité des cas. Personne ne les connaît, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et donc toute cette idée de se dire au fond, comment redonne-t-on dans la société française de la place, de la capacité d'action, de l'autonomie, des moyens à ces corps intermédiaires et à leurs représentants? Comment fait-on pour que, plutôt que l'État s'occupe de tout, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure déjà dans le constat, on redonne de l'oxygène et de la capacité de traitement à s'occuper, en fait, à prendre en charge, à accompagner la vie quotidienne des gens. Mais il y a deux propositions, entre autres, dans ce petit livre. La première consiste à fusionner, alors ça va vous paraître un peu technique, mais je vous le dis parce que ça fait partie des choses qui sont, à mon avis, à réfléchir. Fusionner le Conseil environnemental, social, économique et social avec le Sénat. Faire en sorte que le Sénat devienne non pas simplement la chambre des territoires, ce qu'il est aujourd'hui, mais la chambre des corps intermédiaires. Et faire en sorte que dans la représentation du Sénat, on trouve des organisations syndicales, on trouve des organisations patronales, on trouve les mouvements familiaux, on trouve les ONG, on trouve les organisations à caractère caritatif. Pourquoi pas les représentants des religions? Après tout, elles sont aussi nos églises protestantes, catholiques, orthodoxes. Alors, il n'y a pas d'église juive, mais en tout cas, la communauté juive et les musulmans qui vivent avec nous aussi. On ne va pas faire comme s'ils n'existaient pas et qu'ils n'étaient pas là. Il n'y a pas de raison de les mettre à l'écart. Que tous ces gens puissent trouver un lieu institutionnel d'expression qui est une autorité législative, c'est-à-dire qu'ils puissent voter les lois. Et même, je prône que, à partir du moment où on voudrait changer quelque chose qui concerne directement les corps intermédiaires, ce changement ne puisse se faire sans l'accord formel du Sénat. De la même manière qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que on ne peut pas modifier aucune des dispositions constitutionnelles qui concernent le Sénat sans l'accord du Sénat. S'il fallait être fort pour trouver ça,
Donc ils sont à l'abri des balles quand même pour un moment, les sénateurs. Ils sont tranquilles. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, il ne se passe rien. Donc c'est formidable, mais je me suis inspiré de ce schéma pour dire au fond, vous voulez changer la fiscalité ? Très bien. Trouvez le moyen de récupérer l'accord politique des représentants familiaux pour changer la fiscalité, parce que sinon, probablement, vous allez faire des bêtises. Vous voulez changer le droit du travail ? Débrouillez-vous pour que les représentants des patrons, enfin la Chambre qui représente aussi les patrons et les salariés, soient d'accord. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que l'article 1 du Code du travail, qui a été ajouté dans les années 2006-2007, prévoit expressément qu'aucune modification de ce code ne peut se faire sans concertation préalable des partenaires sociaux. C'est écrit en toutes lettres dans le droit. Allons plus loin. Et disons qu'à partir du moment où on donne de l'importance au corps intermédiaire, où on veut qu'effectivement le tissu social se revitalise, pas du fait de l'État, du fait de l'action de tous les gens qui vivent au quotidien dans ces communautés naturelles, que rien qui les concerne de manière importante, il ne s'agit pas de savoir la largeur des fenêtres ou l'épaisseur des trottoirs, il ne faut quand même pas être ridicule, mais des choses importantes qui les concernent, rien ne puisse être changé sans leur accord. Et partir du principe que la meilleure personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour elle, c'est elle, c'est pas forcément son représentant. Donc voilà que se dessine petit à petit ce que j'ai appelé dans l'introduction de ce livre, je termine par là, ça va, une société subsidiaire. Alors en principe, subsidiaire, c'est un gros mot. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, je vois Patrick Lu qui fait nom de la tête, mais enfin, il a travaillé ça pendant 40 ans, donc c'est, j'espère bien qu'il y en a au moins qui sait ce que ça veut dire dans cette salle, mais il y en a plus que ça. Subsidiaire, ça veut dire laisser faire à l'échelon où c'est efficace les choses par ceux qui ont les moyens de le faire. Autrement dit, faire en sorte que l'État ne s'occupe que de ce que les gens ne peuvent pas faire tout seuls. Au plan européen, faire en sorte que l'Europe ne fasse que ce que les États ne peuvent pas faire tout seuls. Par exemple, j'évoquais ça tout à l'heure dans l'interview avec les journalistes maison, est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde que la France toute seule pourrait réaliser un projet capable de contrecarrer les projets numériques des GAFAM des grandes entreprises américaines ? Toute seule, évidemment que non. Aucun opérateur privé ne peut y arriver, évidemment que non. La seule façon d'y arriver, c'est de la coopération entre les États. La France toute seule n'aurait pas fait Airbus, la France toute seule n'aurait pas fait Ariane. D'ailleurs, ce n'est pas la France qui l'a fait, ce sont les industriels qui sont réunis pour faire en sorte que ils le fassent ensemble. Donc cette idée de coopération subsidiaire, c'est-à-dire, moi je ne peux pas le faire tout seul, donc on va le faire ensemble. Tout le reste, pardonnez-moi de vous dire qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour déterminer notre politique de santé, notre politique sociale, notre politique de retraite, notre politique du travail, notre politique pénale, notre politique judiciaire, notre politique d'aménagement du territoire, etc. etc., etc. On n'a pas besoin de l'Europe pour ça. Eh bien, ayons le même raisonnement en ce qui concerne la vie interne de la société française. Faisons en sorte que la puissance publique ne s'occupe que de ce que les autres ne peuvent pas faire. Et pour l'instant, on fait l'inverse. La puissance publique récupère tout. Elle réglemente tout. Elle normalise tout, elle légifère sur tout. Et effectivement, nous arrivons à une situation de blocage qui s'exprime aussi par des crises sociales, par de l'inflation, enfin tout ça, je pense, sont les conséquences de principe. Et ce que je regrette dans le débat public actuel, c'est que, en fait, on ne traite que les conséquences. On se dit, ah ben oui, mais alors s'il y a de l'inflation, il va falloir. Alors soit on va dépenser moins, alors les retraites, personne ne parle de la démographie qui est le premier sujet. Personne ne nous dit, ce qui est une remarque de bon sens, les retraites sont financées le jour où les gens travaillent. Parce que dès qu'ils payent des cotisations, évidemment, il n'y a plus de problème d'équilibre des régimes de retraite. Donc la question n'est pas de savoir si on allonge l'âge de la retraite, la question est de savoir comment on fait en sorte que les gens travaillent. Donc comment on les paye mieux. Parce que on a beau faire le truc dans le sens qu'on veut, tant que ça coûte de l'argent d'aller travailler, c'est pas incitatif, comme disent les autres. Bon. Donc traitons les causes. Je suis persuadé que ce que je viens de vous présenter rapidement, et je vais entendre avec plaisir vos objections et vos questions et vos remarques, là, on est dans l'ordre des causes. Et je ne vois pas comment, même si on arrivait à régler tous les autres problèmes que j'ai listés rapidement, il y en a malheureusement dans la société française d'aujourd'hui bien d'autres, si on ne redonne pas de l'oxygène à tous les niveaux de la société française, si on ne redistribue pas l'équilibre des pouvoirs entre le chef de l'État et l'État d'un côté, les corps intermédiaires de l'autre côté, le peuple de l'autre côté. Si on ne fait pas cet exercice, je crains que beaucoup de réformes, même bonnes, beaucoup de réformes soient en fait inutiles. Donc je nous invite à travailler sur les causes
Et en politique, les causes, c'est la répartition du pouvoir. Merci de votre attention. Je suis maintenant à votre disposition. Merci monsieur pour cette conférence qui donne à réfléchir. Et nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, levez la main et je